La Minute CES depuis Las Vegas avec Fitbit, capteur d'activité pour tous. La Minute CES 2016, toujours ici à Las Vegas, sur le stand de Carnot Computing. Le nom est trompeur, c'est encore une boîte française. Bonjour Paul Benoît. Bonjour Benjamin. À côté de nous, un radiateur, mais un radiateur très particulier. Racontez-nous votre idée, votre concept. C'est le radiateur numérique, hein, on l'appelle le QRAD. Donc ça a l'air d'un radiateur, mais en fait c'est un gros ordinateur qui utilise des processeurs de calcul comme source de chaleur. Donc avec ce système-là, en fait, ça nous permet de déployer de la puissance informatique à travers la ville, dans des bâtiments, dans des logements, au lieu de les mettre dans des data centers de manière concentrée. Donc ceux qui utilisent la puissance informatique vont vous rétribuer le prix du chauffage, quoi. En fait, ils utilisent la puissance du calcul, c'est ce qu'on appelle du cloud aujourd'hui, hein, ça se développe de plus en plus, donc c'est une solution de cloud complètement alternative et écologique et économique. Combien ça coûte ? Alors aujourd'hui, on vend à des bâtiments complets ce dispositif. En général, on vend par 20 minimum et c'est plus de 3 500 € la machine. Vous reprochiez à votre ordinateur de chauffer, et c'est désormais un avantage avec en plus il est beau, hein, ce très très beau produit présenté ici au CES. C'était la Minute CES depuis Las Vegas avec Fitbit, capteur d'activité pour tous.